quoi dit-on ? Se faire appeler Arthur. L'expression prend racine au cœur de la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation d'une partie de la France par l'Allemagne. À 20h, c'était couvre-feu et les soldats patrouillaient pour le rappeler en criant de leur plus belle voix Arthur, Arthur. Arthur pour 8h donc, mais avec une phonétique se rapprochant du prénom Arthur. Les Français ne parlant pas l'allemand ont réutilisé le prénom Arthur avec un ton menaçant pour réprimander leurs enfants lorsqu'ils faisaient une bêtise. L'expression est encore un peu utilisée aujourd'hui pour rappeler à l'ordre les enfants récalcitrants avant punition.